À quelques jours de la fête de Tabaski 2019, les citoyens de la commune urbaine de l'Abbé sont confrontés à la flambée des prix qui montent comme une flèche sur le marché de bétail. Rencontré ce mercredi matin au parc à bétail de la commune urbaine de l'Abbé, ce citoyen a acheté, malgré lui, une chèvre à 1 million de francs guinéens. Les vendeurs de bétail de la commune urbaine de l'Abbé accusent leurs fournisseurs en zone rurale d'avoir augmenté les prix de façon démesurée, surtout pendant cette période où la demande est forte. Le fait que la fête s'est approchée, les prix ne font que grimper. Par exemple, ça ne reste que 3 jours ou 4 jours d'ici la fête. Mais nous constatons les clients qui viennent nous revendre les bœufs ici ou bien sur les marchés hebdomadaires là où nous partons pour acheter, ils ont fait un grimpage de prix qui ne dit même pas son nom. Par ailleurs, les vendeurs de bétail de la commune urbaine de l'Abbé disent être confrontés à un problème d'espace pour implanter leur marché. Là où on est, c'est sur la route qu'on est. On demande à l'État guinéen de nous aider à avoir là où s'asseoir permanemment pour revendre les animaux aux citoyens. Pour avoir une idée de ce que représente cette fête pour les musulmans, il suffit de lire cette parole du prophète, paix et salut sur lui. Citation. Il n'y a pas une œuvre plus agréable auprès de Dieu que l'homme puisse accomplir le jour du sacrifice que de sacrifier une bête. Celle-ci est amenée le jour de la résurrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots. Son sang atteint une place élevée auprès de Dieu avant même qu'il ne touche le sol. Réjouissez-vous-en. Fin de citation.